Si tu as la joie au cœur, crie fort. Ce matin, l'équipe de Petit à Petit de la télévision nationale est à l'école maternelle Les Pharaons. Et tout à l'heure, vous avez suivi l'éveil, l'hymne national d'abord, chanté voilà. Par ces tout petits. Mm-hmm. Et ensuite, l'éveil, parce qu'il faut réveiller le son des enfants. Voilà, justement, pour les mettre en forme avant qu'ils n'entrent en classe. Avant qu'ils n'entrent en voilà, classe. Voilà, les motiver. Les motiver. Oui, absolument. OK. Donc, mesdames et messieurs, voilà, vous avez suivi l'éveil. Et dans un instant, vous allez suivre des récitations, des chants, les activités de psychomotricité et de la danse avec ces écoliers de l'école maternelle Les Pharaons, voilà. Dont est ici présente la fondatrice, Madame Fatoumata Sano. Madame Fatoumata Sano. Voilà. Donc, vos tout petits, ils vont faire tout à l'heure les activités de psychomotricité parce qu'il y a certains parents qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école. Raison pour laquelle je me suis dit, il faut que j'aille dans les écoles maternelles pour prouver aux parents que à la maternelle, ce n'est pas seulement les récitations de chant, mais les enfants pratiquent d'autres activités pour leur sens. Absolument, les enfants travaillent parce qu'il faut un peu de tout pour éveiller les sens et puis préparer la personnalité de l'enfant. Une fois que l'enfant est bien formé à la maternelle, sa scolarité normalement ne devrait pas poser de problème. Donc là, il travaille sa motricité fine, c'est-à-dire comment tenir les crayons, etc. Il travaille aussi sa latéralité, comment utiliser son corps, comment bouger. Donc tout à l'heure, vous allez voir à travers toutes les activités qu'on est en train de faire que les enfants, sur un fond de jeu, de danse et de musique et d'autres choses, hein, pour les égayer, parce qu'il faut qu'ils travaillent dans la joie. Donc ils préparent leur futur, en quelque sorte. Voilà, donc nous allons nous rendre dans la petite section. D'accord, la petite pour, section. Je ne sais pas ce que nous réserve cette petite section. Une surprise. Voilà. Donc on y va en petite section, voilà, on y va en petite section. Après l'éveil, j'entre dans une classe de la petite section que coordonne. Bonjour. Bonjour. Plus fort. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle mademoiselle Conté Mamatal. J'enseigne la toute petite et la toute petite section au Pharaon, à la matinée des Pharaons. Donc ce matin, nous allons vous présenter des poèmes, des chants, de la motricité fine, de la peinture libre et aussi des créations qu'on va faire avec des encastrements et des modelages aussi pour les tout-petits. Et aussi avec
Les tout petits aussi ont des surprises pour vous. Ils ont des chansons, des poèmes qu'ils vont vous présenter. Ouh là là. Ils sont tout petits, mais nous sommes les plus forts. Ouh, pas voilà. Ils sont des tout petits, mais ils sont plus forts. Bravo, applaudissez pour vous, mais voilà, donc j'attends la surprise. Hein. Voilà. On va commencer par les 7 jours de la semaine. D'accord. Allez tout le monde, les 7 jours de la semaine sont... Les 7 jours de la semaine sont... Plus fort. Mardi, lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Très bien les bébés, c'est très fort pour vous-même. Bravo mes bébés. Maintenant, on va réciter les 12 mois de l'année. D'accord. Allez, les 12 mois de l'année sont... Les 12 mois de l'année sont... Oui, plus fort. Janvier, février, février, février. Oui. Avril, mars. Mars. Oui. Avril, mai, juin. Plus fort. Juin, juin, octobre, octobre, et décembre. Très bien les enfants. C'est bien, bravo. Allez, on va réciter les chiffres. On va compter de 0 à 10. OK? 1, 2, 3. Je compte. Je compte. 0. Et 0. À 10. À 10. Oui, allez-y. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, les enfants. On va lui faire très fort. Très fort. Très fort, c'est très bien les enfants. Maintenant, on va passer au poème. Qui va rester très fort pour nous? Poème papa. Alors, je vous écoute. 1, 2, 3. Poème papa. Oui. Enfants. Poème pour toi, maman. Poème pour toi, maman. Plus fort. Arrive bientôt. Toi, Yayo. Yayo, pour toujours. Maman. Merci. Très bien, les enfants. Maintenant, on va chanter. D'accord? Frère Jacques. Frère Jacques. Oui. Plus fort. Din des dents. Je suis sage. Plus fort. C'est pas mal. Bravo les enfants. Très bien. Fatma Tadiallo. Bambi. Asseyez-vous là-bas, vous voulez faire la peinture. Pour d'autres, c'est la peinture. Et ici, c'est l'encastrement. Voilà. Bien. Il a commencé. Très bien. Maintenant. Comme ça. Voilà. Et après tu prends et tu fais une forme, tu appuies. Alors là, le temps, tu tiens ta patte, il faut la moulager. Tiens, regarde là. Tu as bien appuyé. Maintenant, retire ma patte qui est à côté. Tu retires comme ça.
Voilà, Fatma, vas-y. Oui, la presse est finie. Oui, la presse est finie. Allez où hein? Très bien, pas un autre. Youssouf, essaye. Mets-le, très bien. Elle ne veut pas. Non, mais est-ce que, regarde, il est tout petit, on dirait. Essaye. Parfait. Change de place. Bien. C'est l'encastrement, il a fini. Voilà, plus il a presque fini. Oui. Laisse les vents faire, oui, c'est bon. Allez, assieds-toi. Oui. C'est la dernière fois. Anna, allez. Ok. Très bien, bravo, Youssouf. Très bien. Non, allez là. Très bien, tu as fini de me donner. Tu as enlevé. Non, attends, je vais t'aider pour toi. On va refaire. Je vais l'aplatir pour toi. Maintenant, appuie. Ça, c'est vraiment joli. La peinture, oulala. La peinture. C'est très bien. Tu vas faire avec le cœur aussi. Très bien. Maintenant, Adama, oui, elle a fini. Là. Oh, ça, c'est attends, on va le mettre sur celui-là. Fini. Tu vas montrer ce qui est fini. Waouh. Allez, vas-y. Très bien. Voilà. Est-ce que c'est maintenant, tu vas prendre une autre forme. Est-ce que c'est là-bas? Regarde, est-ce que c'est là-bas? Très bien. Maintenant, il faut changer. Non, c'est pas là-bas. Là, je vais faire pour bouger le cœur. Ça ne remplit pas. Voilà, je la cherche. Très bien. Voilà, bravo. Et quand tu arrives à le faire aussi? Voilà. Bravo. Voilà, maintenant on va faire sortir. Attends, je vais t'aider pour ne pas que tu gâtes ta forme. Les activités auxquelles vous venez d'assister, c'est-à-dire les encastrements, la peinture, ainsi que le fait de prendre seulement la craie et de faire des tracés sur l'ardoise, toutes ces activités contribuent à améliorer l'appréhension de l'enfant, sa motricité fine. Et à la longue, l'enfant pourra attraper le stylo comme il le faut, le crayon comme il le faut et faire de très jolies écritures. Donc c'est cette activité contre à cela, ça travaille les muscles de la main. De la main. Voilà. C'est tout petit. C'est voilà. Exactement. De la perception. Pour qu'il puisse écrire. Donc la peinture, le pinceau, le fait d'utiliser différents éléments inscripteurs. Il y a le pinceau, il y a la craie, le crayon, hein, même quand ils font des dessins et autres. Tous ces outils-là contribuent à affiner la motricité fine de l'enfant. Voilà. Donc c'est ça. La pâte à modeler, comme vous avez vu là-bas, hein, les formes qu'ils font, tout ce qu'ils font, même les jeux et les jouets, quand ils jouent à presser les poupées, à les peigner, tout cela contribue à affiner l'appréhension. Voilà. Donc on va laisser ces écoliers de la petite section pour aller en grande section, mais en moyenne section, autant pour moi. Les enfants, on voit. Applaudissez fort pour vous, applaudissez, vous allez bien travailler, applaudissez fort, applaudissez. Un chant dans l'ensemble. Qu'est-ce que vous voulez chanter les enfants? Les oiseaux. Ok, chantez les oiseaux. Après la petite section, j'entre en moyenne section. Que coordonne bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Mon nom c'est Ashley Amonou. Je suis l'institutrice de la moyenne section. De la moyenne section. Oui. Ok,
quelle est la surprise que nous propose cette moyenne section? La moyenne section vous propose beaucoup de choses. En quelque chose, on va faire une vision générale sur tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Que ce soit sur le corps humain, les chiffres, les figures géométriques, la mémorisation, c'est-à-dire la reconnaissance visuelle des noms. Que les enfants arrivent à écrire leurs noms sans regarder sur les étiquettes. L'alphabet, les consonnes, les voyelles, les chiffres, un peu de tout. Ouh là là, tout ça. Alors, je serai gâtée aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par Amadou Ribalde. D'accord? Tiens-toi debout. On applaudit très très fort pour lui. Dis-moi un peu, comment tu t'appelles? Je m'appelle Amadou Ribalde. Amadou Ribalde. Et dis-moi un peu, tu fais quelle classe? Je fais la moyenne section. C'est très bien, tu fais la moyenne section. Amadou Ribalde, est-ce que tu peux me dire un peu, le corps humain comprend combien de parties? Le corps humain comprend 3 parties. La tête, le tronc et les 4 mains. C'est très bien, on applaudit très très fort pour Amadou Ribalde. Dis-moi, quels sont les 4 membres que tu connais? Les 2 bras et les 2 pieds. On applaudit très fort pour lui. Césaire Guémou. Je m'appelle Mariam Césaire Guémou. Tu t'appelles Mariam Césaire? Oui. C'est très bien. Césaire Guémou, tu peux me citer les 4 membres du corps humain? Les 4 membres sont les 2 bras et les 2 jambes. Les 2 bras et les 2? On applaudit très très fort pour elle. Bravo Césaire. Alors, qui va me citer un peu les 5 organes de sens? Fatoumata. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Fatoumata Sano. Fatoumata Sano. Fatoumata Sano, quels sont les 5 organes de sens que tu connais? La toile, autant de tantôt. La yeux. Le nez. Le nez. La langue. La langue. Les oreilles. Les oreilles. Et la peau. Et la peau. Bravo! On applaudit très très fort pour elle. On applaudit très fort pour elle. Allez Bruno, viens un peu. Tiens-toi là. Dis-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Bruno Kangay Hassen. C'est très bien, Bruno Kangay Hassen, d'accord? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait avec les yeux? On regarde. On regarde avec les yeux. C'est très bien. C'est très bien, on applaudit pour lui. Docteur, viens ici, le grand docteur. Je m'appelle Sekou Mohamed Lamine Fofana. C'est très bien, Sekou Mohamed Lamine Fofana. Sekou Mohamed Lamine Fofana, qu'est-ce qu'on fait avec les oreilles? On entend. On entend avec les oreilles. C'est très bien, on applaudit pour lui. Jasmine Nawa Touré. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yasmine Nawa Touré. Yasmine Nawa Touré, c'est très bien. Dis-moi Yasmine, qu'est-ce que tu fais avec ta langue? On goûte. On goûte avec la? La. On applaudit très fort pour Yasmine. Moukatou, comment tu t'appelles? Je m'appelle Abakar Moukatou Touré. Abakar Moukatou Touré, c'est très bien. Moukatou, qu'est-ce qu'on fait avec le nez? On respire. On respire avec le nez. Allez, reprends. On respire avec le nez. On respire avec le nez. C'est très bien. On applaudit pour Moukatou. Mina, viens. Dis-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mina Diallo. Mina Diallo, c'est très bien. Mina, qu'est-ce qu'on fait avec la peau? On touche. On touche la peau. C'est très bien. On applaudit pour Mina. Diamant Kaba. Je m'appelle Diamant Kaba. C'est très bien. Maintenant, Diamant, tu vas passer au tableau et tu vas écrire ton nom pour tonton, d'accord? Va prendre la craie là-bas.
Allez, écris-moi ton nom au tableau ici. Très bien. N'applaudis très fort pour Diamant Kaba. Aminata Sano, tu vas passer et tu vas écrire aussi ton nom au tableau, d'accord? C'est très bien, on applaudit pour Aminata. Maintenant, on peut aller avec les consonnes. Citer les voyelles pour tonton et pour tanti, d'accord? C'est bon? Les voyelles sont I, U, O, A, E, 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 E. On applaudit très fort pour Moukatou. Très, très fort pour Moukatou. On applaudit. Sylviane, tu vas te tenir debout et tu vas faire la reconnaissance visuelle des chiffres pour tonton et pour tanti, d'accord? C'est quel chiffre? 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9, 10. On applaudit très fort, très très fort, très très fort, très très fort. C'est bien les enfants. Brouel, tu vas me dire le nom des figures géométriques, d'accord? Ça, c'est quelle figure? Regarde. Le triangle. Parle fort. Le triangle. Et ça? Le carré. Et ça? Le rectangle. Et ça? Le cercle. On applaudit très fort pour Brouel. C'était un peu ça ce qu'on avait pour vous. Et là-bas, c'est pour les coloriages. Ici, c'est les coloriages. Et on a fait le vêtement du bébé et tout. Et les enfants vont mettre les couleurs. Césaire, on suit. Les enfants vont faire passer les couleurs dessus, vont faire les coloriages là-dessus. Alors, Bouba, tu vas commencer. Prends ton crayon et tu commences à colorier ton pantalon. Adia, tout toi aussi. Selou, toi aussi, tu peux commencer. Massa, toi aussi, tu peux y aller. Ça, c'est les coloriages qu'ils font sur les vêtements de l'enfant. On a les chaussons, le bonnet, les bavoirs. On a la couche et puis on a un haut. On fait ça et on laisse les enfants colorier avec les couleurs qu'ils veulent. Eux-mêmes, ils choisissent les couleurs et ils font passer la couleur qu'ils veulent sur l'habit qu'ils veulent. Donc quand ils font le coloriage, ils ne débordent pas? Non, ils ne débordent pas. On se rassure que les enfants ne débordent pas. D'accord. Donc on va suivre leur coloriage. Merci. Mademoiselle Ashley. Mademoiselle Ashley, merci. On va vous laisser avec vos enfants qui font du beau travail ici à moyenne section, le coloriage. Ils connaissent les organes de sens, les 7 jours de la semaine, les 12 mois de l'année. Vraiment, félicitations. Merci à vous. Okay. Voilà. Au revoir, les élèves.
Au revoir. Au revoir. Voilà, après les élèves de la petite, de la moyenne section, j'entre en grande section que coordonne madame. Bonjour. Bonjour. C'est madame. C'est madame Maria, madame Barry Maria. Madame Barry Maria. Bon, que nous propose la grande section? Bon, je vais envoyer un enfant pour écrire les 7 jours de la semaine. Mm-hmm. Il y a un autre enfant qui va venir écrire l'alphabet. Il y a un enfant qui va venir compléter les chiffres, il en va de l'autre côté. Et j'ai un jeu avec les lettres de l'alphabet et les enfants vont écrire, vous allez voir. D'accord, ok, allez-y. Tierno, hein, tierno, viens. Ici tierno. On fait ça tous les jours. Hein? Oui. Tous les jours on écrit les jours de la semaine, l'alphabet, les chiffres. Hein? Hein? Très bien, applaudissez pour tierno. Hein? Allez, qui va venir m'écrire l'alphabet? Hein? Attends, hein? Qui va venir m'écrire l'alphabet? Hein? Attendez, check bien. Le R grand. Applaudissez pour Chet. Maintenant, je viens par là. Hein? Hein? Qui peut venir? Attendez. Asseyez-vous. Attendez, les enfants. Attendez. Hein? Attendez. Qui va venir me ramper? Hein? Non, attendez. Elle-même peut venir. Hein? Vous êtes en train de faire ça. Il faut bien faire le nombre 8 ici. Maintenant, Madeleine va vous montrer un autre jeu, un jeu avec les lettres de l'alphabet. J'ai fait deux groupes. J'ai fait un groupe d'après-midi et un groupe après. Hein? J'ai fait deux groupes, mais je vais vous montrer avec les premiers groupes aujourd'hui. Qui a la grande
j'ai la consonne C. Je prends la consonne C. Je prends la consonne C, je la mets sous la consonne C. Je place sous la consonne C. Très bien. Qui a la consonne R? Moi, j'ai la consonne R. Je place R sous R. Très bien. Qui a la consonne F? Moi, j'ai la consonne F. Je place la consonne F. Je place la consonne F sous F. Qui a la consonne V? Moi, j'ai la consonne V. Je place la consonne V sur V. Très bien. Qui a la consonne M? Moi, j'ai la consonne M. M, je place? Je place la consonne M, c'est M. Très bien. Qui a la consonne K? Moi, j'ai la consonne K. Je place la consonne K sous K. Qui a la voyelle E? Moi, j'ai la voyelle E. Je place la voyelle E sur E. Très bien. Qui a la consonne H? Moi, j'ai la consonne H. Je place la consonne H sous H. Qui a la consonne, la voyelle Y? Moi, j'ai la voyelle Y. Je place la voyelle Y sur Y. Très bien. Qui a la consonne Q? Moi, j'ai la consonne Q. Je place la consonne Q sur Q. Qui a la consonne T? Moi, j'ai la consonne T. Je place la consonne T sur T. Très bien. Qui a la consonne W? Moi, j'ai la consonne W. Je place la consonne W sur W. Très bien. Qui a la consonne Z? Moi, j'ai la consonne Z. Moi, j'ai la consonne Z. Je place la consonne Z sur Z. Très bien. Qui a la voyelle O? Moi, j'ai la voyelle O. Je place la voyelle O sous la voyelle O. Qui a la consonne N? Moi j'ai la consonne N. Regardez les planchettes, hein? Ok, allez maintenant. Faut passer là. Allez. Qui a la voyelle U? Moi, j'ai la voyelle U. Je place la voyelle U sur U. Très bien. Qui a la voyelle A? Moi, j'ai la voyelle A. Je place la voyelle A sur A. Qui a la voyelle I? Moi, j'ai la voyelle I. Je place la voyelle I sur I. Qui a la consonne L? Moi, j'ai la consonne L. Je place la consonne L sur L. Qui a la consonne J? Moi, j'ai la consonne J. Je place la consonne J sous J. Très bien. Allez, Madeleine. Qui a la consonne S?
Moi, j'ai la console S. Je place la console S sur S. Qui a la console X? Moi, j'ai la console X. Moi, j'ai la console X. Je place la console X sur X. Très bien. Qui a la console G? Moi, j'ai la console G. Je place la console G sur G. Très bien. Qui a la console P? Moi, j'ai la console P. Je place la console P sur P. Qui a la console B? Moi, j'ai la console B. Je place la console B sur B. Qui a la console D? Moi, j'ai la console D. Je place la console D sur D. Très bien, les enfants. Applaudissez pour vous. Vous avez très bien placé toutes les lettres. Hein? Applaudissez très fort. Applaudissez pour vos amis. C'est très bien. Hein? Maintenant, je vais vous proposer, je vais vous montrer comment les enfants écrivent sur les cahiers. Il n'y a aucun problème. Voilà comment ils écrivent sur le cahier. Allez, commencez. La lecture, nourriture de l'esprit. La lecture, moyen le plus sûr de sortir de nos murs. Lire. La lecture, nourriture de l'esprit. Vrai moyen de culture. La lecture, moyen le plus sûr de sortir de nos murs. Lire, c'est sortir, aller là-bas, vivre. Vivre dans la peau de l'autre. Aimer l'autre, aimer pour l'autre. Se battre avec l'autre, pour l'autre, contre l'autre. La lecture, nourriture de l'esprit. Un moyen de culture. La lecture, c'est utile pour la jeunesse, procurant des sensations de bien-être. Pour qu'heureuse soit notre jeunesse, pour qu'éduquée soit notre jeunesse. La lecture, moyen le plus sûr de sortir de nos murs. Construire une jeunesse en désuétude, passons à la lecture pour aider notre jeunesse à se développer. Ceux qui ont fini, ils vont commencer leur exercice. L'exercice qui est là, ils vont écrire maintenant avec le crayon noir et ils vont trouver la consonne L parmi tous les syllabes qui sont là. Mm-hmm. Ils vont trouver la consonne L et ils vont entourer. D'accord. Hein? Ils peuvent continuer à faire. Voilà. Hein? Donnez-leur le crayon et puis ils vont commencer l'exercice. Et retournons au livre. Jeunesse. Prends ton livre en toute confiance. Il faut lire. Les enfants. Il faut lire. À toute la jeunesse. Il faut lire. L'espace en s'y capa. Il faut lire. Homme de culture. Il faut lire. Maître Gilbert. Jeunesse.
à se développer. Retournons au livre. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. Lire. Le matin, quand on arrive, on fait la lecture sur les tableaux noirs de la consonne qu'on est en train d'étudier. Et après, les enfants ils font la lettre étudiée sur des ardoises, sur des feuilles. Et c'est après que je lui donne les cahiers où ils font les exercices. Ils écrivent d'abord avec les feutres et après ils écrivent avec les crayons noirs et ils font des exercices de reconnaissance visuelle de la syllabe. Des syllabes. Hein? D'accord, ça c'est bien. Là, voilà, on va prendre congé de vous, de la grande section. Merci. Merci. Ou bien vous avez autre chose à proposer, c'est fini, c'est tout. Bon, merci. Ou bien une récitation dans l'ensemble, un chant. Vous voulez chanter? Oui. Bon, chantez pour tante Anne. J'ai mis ma maman, pour tous les années pour moi. Elle m'a mis au monde, m'a élevé, m'a enseigné, à supporter toutes les difficultés. Elle m'a bien élevé quand j'ai tombé. Merci, maman. Ouais, papa, un tout petit poème pour mon papa que j'aime. Un baiser gentil pour mon papa chéri. On écrit. On écrit sur la ville, l'on ne se connaît. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur la ville, à l'encre de nos vers. On décide où que l'on voulait dire. Partout, autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards, dans la show you stay rappers replace me. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de cette émission. Nous étions à l'école maternelle Les Pharaons 6 à Kipé. Vous avez suivi des cours, des activités de psychomotricité, les récitations, les chants et la danse. Présentement, nous sommes dans l'ambiance avec ces enfants de l'école maternelle Les Pharaons. Madame Sissoko, le mot de la fin. Alors, nous sommes très contentes d'avoir reçu votre visite aujourd'hui. Et nous pensons que vous allez continuer à venir suivre le travail que nous faisons pour le bien de nos enfants. Merci les enfants. Au revoir. À la prochaine émission. Inch'Allah. On danse, on danse. Voilà, j'adore ce titre. Merci.
remercie aux éducatrices qui sont là, aux enfants aussi. Au revoir.